Coucou, bon, ça fait quand même une petite semaine en fait qu'on ne s'est pas retrouvés. Moi, je suis trop contente de partager ce petit moment avec vous. Alors, je vais vous expliquer comment, dernièrement en fait, hein. Donc, maman, comment est retournée à nouveau donc ce week-end à l'hôpital. Dans un état quand même, bon, c'est toujours, hein, de toute façon, on le sait, hein, c'est toujours la suite du Covid hein, qu'elle a eu donc le mois dernier. Bon, je reste positive parce que vous le savez comment je fonctionne, mais je suis lucide aussi, hein, bien sûr. Et donc, en fait, bon, voilà, pour résumer en fait la situation, il nous avait expliqué en fait à l'hôpital que le Covid a accéléré donc la maladie d'Alzheimer, ce qui fait que bon, maintenant, elle a perdu tous ses acquis de toute façon. Bon, enfin voilà, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, j'ai envie de passer donc un petit moment avec vous. Voilà, ça va me faire énormément de bien. Donc, donc voilà quoi. Donc, c'est pour ça en fait qu'on s'est pas retrouvé avant parce que pour moi c'était juste pas possible. Voilà, bon, vous le savez de toute façon, hein. Quand j'ai un petit moment, voilà, j'ai un petit moment, c'est pour aller chez mes parents et puis, pour m'occuper d'eux, quoi. Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais bon, enfin voilà. Bon, allez, donc maintenant on va faire ensemble donc le petit tuto. Vous vous rappelez, ça j'aurais dû le sortir. Attendez, j'ai pas un paquet sous la main. Bon, quand j'avais fait le haul, attendez, excusez-moi. Alors, ici, il est où le paquet? Voilà. Quand j'avais fait donc comment? Aïe. Alors, quand j'avais fait le haul, comment je vous avais montré, vous voyez, les fils de rotin. Voilà, comme ça. Et en fait, bon, je vous l'avais montré dans le haul, il fallait donc, comment les tremper dans l'eau. Donc, eux, ils disent 15 minutes. Moi, je vous avoue que j'ai fait au moins. Quand j'ai fait le petit panier, alors la dernière fois, j'ai mis le. Comment dire, le rotin, je vais utiliser du verre hein, cette fois-ci pour faire un peu. Après, on peut, voyez, moi, celui-ci, ça fait un petit peu chabi, mais après, on peut le faire différentes couleurs. Bon, pourquoi pas faire un genre de petit tuto, un petit panier en fait, pour Pâques, voyez ce que je veux dire, pour mettre par exemple sur votre table, enfin voilà. Et donc, voyez, j'ai mis, donc, voyez, ça se présente comme ça. Voyez. Puis après, j'ai mis un petit bout de dentelle, un petit morceau de tissu, un petit nœud. Bon, enfin voilà. Alors, donc, moi, comme je vous disais, oui, donc eux, ils disent un quart d'heure. Au départ, j'avais laissé 1 heure. Voyez, je l'avais laissé donc le rotin dans l'eau pendant 1 heure. Vous voyez, tout simplement, regardez, je vous montre. Hein. Voilà. Hein. Je le laisse tremper 1 heure. Mais là, j'ai laissé toute l'après-midi en fait. Hein. Et après, je le sèche bien. Voyez? Et là, je me suis dit, oh là là, je vais encore pour le bien le travailler. Voyez, je laisse encore un petit peu dans l'eau. Là, maintenant, je vais le sécher. Hein. Bon, donc, je vais me faire comme d'habitude, quoi. Je vais mettre au-dessus hein, pour filmer. Hein. Donc, voyez, alors moi, j'ai coupé ici. Donc, hein, j'ai bien séché mon fil. On va couper des petits morceaux. Bon, on va prendre un bouchon. Un bouchon plastique, un bouchon de bouteille d'eau. Ici, on va prendre donc de la dentelle. Après, c'est en fonction de vos goûts, des petits nœuds. Ça, c'est des petits morceaux de tissu qui s'effilochent. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du tissu. Oh, décidément. Et vous voyez, ça, c'est des petits carrés de tissu. Oh! Qu'on trouve donc, je ne sais pas si on a encore action, je pense. Hein. Donc, moi, je vais utiliser celui-là. Bon, je trouve que c'est mignon, les petites fleurs, le vert. Et puis, bon, l'osier avec le vert, je trouve que l'association des deux, c'est pas mal. Et puis, donc, au milieu, moi, je vais mettre donc un petit lapin hein, pour que ça fasse un petit peu Pâques, hein, tout simplement. Bon, enfin, voilà. Alors, donc, moi, ce que je vais faire, ça, je vais le faire tout seul parce que ça, c'est une étape qui est quand même assez longue, je vais dire. Voyez? Alors, surtout le fil, hein, n'hésitez pas encore, avant de l'utiliser, de l'humidifier un petit peu pour qu'il soit vraiment malléable. Voyez? Alors, donc, ce que je vais faire, c'est vraiment, vous voyez, je le tourne un petit peu comme ça autour du doigt. Voilà. Parce que sinon, il se casse. Hein, voyez? Hop. Alors. Donc, après, moi, je vais tourner comme ça.
Alors, je vais éviter de mettre de la colle tout autour parce qu'après, ça fait des fois des gros paquets. Puis moi, j'ai tendance à mettre, comment? D'en mettre trop quand j'utilise la colle, voyez? Donc, il suffit, voyez, de faire comme ça. Regardez. Et après, de venir tourner tout autour. Vous voyez? Faut quand même bien serrer hein, pour éviter qu'on voit le bouchon en plastique hein, en dessous. Hop. Voilà. Voyez, on fait comme ça. Alors, entre parenthèses, rien à voir, mais je vous avais fait des éloges de ce pistolet à colle. J'avais utilisé, j'aurais dû avant, comment, c'est vrai que moi j'ai tendance tout de suite à m'emballer quand j'achète un truc et tout, ouais, je trouve top et top, j'aurais dû vous, comment dirais-je, j'aurais dû avant de faire un retour, comment bien l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouvais qu'il coulait un petit peu. Bon, de ce fait-là, j'ai acheté des bâtons de colle, mais de la même marque. Et bah écoutez, c'est pareil. Alors, je vais le réutiliser encore plusieurs fois, hein, s'il le faut. Et après, si je vois que c'est toujours pareil, ben, l'occasion, je verrai auprès d'Amazon. Hein, je demanderai pour le renvoyer, tout simplement. Parce que bon, en plus, il est quand même, il n'est pas donné, hein, ce pistolet à colle. Donc, je me suis dit non. Hein. Bon, alors, voyez, là, ici, moi, je vais... Attendez, parce qu'il faut quand même que je vérifie que je sois bien... J'hésite pas à en mettre quand même un bon petit paquet quand même de colle parce que, voyez, surtout que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de colle entre le fil, voyez. Donc là, il faut quand même en mettre pas mal, hein. Bon. Par contre, voyez ce qu'on va faire. Là, à ce moment-là, je vais couper parce que je trouve que bon, c'est pas la peine qu'on le fasse ensemble. Voyez, regardez. Quand on obtient ceci, je vais attendre un petit peu, hein, parce que voilà. Je vais continuer toute seule. Je vais recouper une bande. Et moi, je vais continuer comme ça. Voyez, tout autour. Alors, voyez ce que je veux dire? Et puis après, bon, bah, on va se reprendre carrément quand je serai arrivée donc en haut du bouchon. Voyez? Donc, je vais recouper une bande. Je vais refaire ça, mettons, hein, tout simplement. Hein, je vais remettre de la colle ici. Là. Et puis, hop. Je vais faire ça et voilà. Donc, vous voyez, j'ai terminé. Bon, c'est vrai que j'ai mis un petit peu trop de colle. Vous voyez? Bon. Alors, je ne sais pas si c'est une impression. J'ai trouvé que le rotin couleur écrue, j'avais l'impression que j'ai eu beaucoup plus de facilité à le travailler. Alors, ici, moi, j'ai changé parce que je me suis dit, je vais mettre de la dentelle. Vous voyez? Tout autour. Il y a encore des petits bouts de. Des petits morceaux de colle qui sont voilà. Alors voyez, je vais mettre un peu de dentelle parce que bon, ici j'avais dit ça au départ, hein. Mais après je me suis dit non, ça fait trop rigide. Donc vous voyez, je me dis si je mets un petit morceau de dentelle, c'est vraiment quelque chose qui soit quand même comment pas trop large parce que sinon c'est pas la peine, on voit plus le rotin, vous voyez donc. Hop. J'hésite, aïe. Oh, j'hésitais entre remettre de la broderie anglaise ou de la dentelle. J'ai dit, bon, allez, on va changer un petit peu. Chaque fois, je dis, mais j'exagère, hein, parce que j'ai une petite pince, là, vous savez, pour... Attendez, je regarde en vitesse si elle n'est pas dans mon petit pot. Attendez, hein. Parce que là, franchement, c'est... Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, c'est pas grave, on va prendre ce truc-là. Allez, zou. Là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop.
Hop. Ici, il y a un petit. Ouais, c'est pas l'idéal, ça, par contre, hein. Non, ça va pas, je préfère le faire au doigt parce que sinon c'est pas. Non. Hop. Et voilà. Alors. Voilà, on va mettre un petit point de colle. Voilà. Alors, voyez, quand on. Ah, je colle les doigts avec moi. Quand on colle la dentelle ou après, voyez, hein. Ah, j'ai vraiment exagéré, c'est avec la colle quand même. Je trouvais que j'en ai mis pas mal. Bon, donc, maintenant, moi, j'ai pris un petit carré. Donc, je vais venir le coller. Ici, maintenant, ça dépend hein, ce que vous voulez faire. Moi, je préfère que ça reste plat comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre carrément de la colle dans le bouchon et puis vous le faites comme ça. Puis après, vous coupez tout autour. Hein. Alors, hop là. Oh là là! Hop, allez. Moi, je fais comme ça. Hop. Et après, voyez, hop, je vais couper tout autour. Je vais prendre l'autre ciseau parce que, hop, avec mon grand ciseau là. J'ai retiré un petit bout sans faire exprès. Vous voyez, hop. Voilà. Oh! Filaments de colle partout. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai mis ma petite dentelle. Voilà. Maintenant, j'ai coupé un petit morceau pour faire la petite lance. Vous voyez, hop. Mettre comme ça. Là, à peu près. Hop. Ouais, je vais vraiment trouver ma pince parce que là. Là. Alors ici, attendez, je vais vous dire quand même la dimension. Moi, j'ai fait à peu près. Ouais, 11. Pour faire la pour faire l'anse hein. Ici et voilà bon en attendant je vais mettre ça voilà comme ça regardez. C'est rigolo, hein? Voilà. Alors, ici, on va mettre un petit nœud. Attendez, je suis en train de me demander. Ici, un petit nœud là, un petit nœud là. On va le mettre ici. Ouais, on va le mettre là. Un petit nœud là. On va en mettre un autre ici. Je vais couper
Hop. Voilà. Ce qui est bien, c'est de... Comment? Attends. De brûler un petit peu, vous savez. On fait attention, hein, mais on brûle un... juste les bords. Hein. Attends, je vais en prendre un deuxième parce que comme j'en ai pris un verre... vous rappelez, c'est les petits nœuds qu'on avait fait donc ensemble. Alors, le rose, ouais, j'en ai encore un. Voilà. Hop. Voilà. Ici, on va mettre. Voilà. Hop. Et voilà. Pareil, je vais couper là. Voilà. Attends, je vais pousser ça parce que mon petit lapin, voilà, je vais le mettre là comme ça. Attendez, excusez-moi, hein, parce que vous le savez, hein. Hop là! Allez, et nous, on va mettre notre petit lapin ici. On va mettre un petit nœud vert. On va mettre un petit nœud vert aussi là. Ah, ça fera. Attends. Ah, ça va faire trois petits nœuds. Bon, c'est rigolo. Là. Après, moi, je mets des petits nœuds, mais bon, hein. J'allais dire, après, vous mettez en fonction de ce que vous avez, en fonction de vos goûts. Et moi, je vais mettre mon petit lapin là, voyez. Et voilà. Bon, je trouve que c'est sympa. Bon, là, je vais l'éteindre tout de suite. Le... Voilà. Je trouve que c'est, comment dire, ouais, sur une petite table. Petite table de Pâques, voyez. Je trouve que c'est mignon, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, regardez. Oh mince, je suis pas du tout dans la. J'étais là carrément là. Donc voilà. Mince, j'ai. Oh là là, n'importe quoi. Je me suis dit mince, ça filme pas. Voyez donc. Voilà. C'est deux genres totalement différents. Après, voilà, on pouvait mettre, je sais pas, moi, des petits œufs. Enfin voilà. Hein. Une petite idée, alors avec le, comment dirais-je, bon, bien sûr, vous voyez, comme je vous dis, j'ai mis énormément de colle, donc j'oserais vous dire, ne mettez pas autant de colle que moi, et voilà. Bon, bah écoutez, moi, je peux vous dire que j'ai passé un super bon moment avec vous. J'espère donc que ce petit moment de partage, il vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis merci, hein. Merci infiniment, hein, donc pour tous vos gentils messages. Voilà, et puis comment je vais dire, je fais du mieux que je peux pour comment pour essayer de venir vous voir. Franchement, j'essaye de faire ce que je peux. Je sais que je suis pas trop présente, hein, bon, enfin voilà, sur YouTube, hein, et puis puis voilà. Et enfin, moi, je vous dis merci, voilà, pour tous pour toute notre belle amitié. Voilà, ça compte beaucoup pour moi. Et puis puis voilà, puis vos messages, ça me fait trop plaisir. Voilà. Alors nous, je vais vous dire à bientôt. Je ne sais pas quand on se retrouvera, mais c'est sûr qu'on va faire, donc comme je vous avais dit dernièrement dans le hall, on fera les petites images brodées. Voilà. Et puis, il y avait aussi, je vous avais dit, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans... Oh, je ne sais plus. C'était la vidéo hall, je crois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et je vous avais même dit... qu'il y avait quelque chose pour le mois de mars, je vais, enfin, si mon projet il va à terme, enfin, de toute façon, normalement, ça va à terme, hein, je vous montrerai, en fait, bon, ça, c'était une belle surprise pour moi, voilà, quoi, ça fait trop plaisir, je vous montrerai en temps et en heure, hein, d'accord? Voilà, allez, moi, je vous souhaite donc une bonne journée, et puis je vous fais plein de gros, bisous!